Le peuple nomade du Kirghizistan, une petite nation d'Asie centrale enclavée et totalement méconnue, vit en osmose avec les chevaux qu'on trouve partout et qui restent le meilleur moyen de locomotion sur les pistes cabossées de ce pays très montagneux. Ils naissent, grandissent et forgent leur personnalité sur les hauteurs, comme ici, au haras national de Boz Alla, où plus de 100 chevaux vivent en semi-liberté, à 3000 mètres d'altitude, sous l'œil de 4 cow-boys kirghizes dont la tente est la seule structure solide sur un domaine de plus de 1500 hectares. Nous sommes ici sur les hauteurs de la ville de Cholponata, en haut du lac, où nos chevaux passent la saison de l'été. Alors ici, nous avons des purs sangs anglais, des trotteurs russes, que vous appelez vous des ambleurs, des chevaux du Don, venant du sud de la Russie, et nos demi-sangs. Nous avons également un groupe de chevaux de race novo-kirghize, qui est la seule race d'origine purement locale. Tous les autres chevaux proviennent de souches achetées à l'étranger. Alors sur place, nous avons 10 étalons et une centaine de poulinières avec leur production pour le haras national. En hiver, les chevaux descendent aux écuries en bord du lac à 1600 mètres d'altitude. Mais ils remontent sur les hauteurs à la belle saison, sur des estives. Ici, on appelle ça Jaolai. Sur ces plateaux, il y a un responsable pour chaque race de chevaux. Et ils ont une fonction de berger jusqu'en octobre. En bas l'hiver, nous avons en plus des palefreniers et aussi nos entraîneurs. Actuellement, on peut constater, avec bonheur d'ailleurs, une montée très nette de l'intérêt de la population kirghize pour l'élevage de chevaux de course. C'est une activité en phase de fort développement. Et pas seulement ici autour du lac, mais partout dans le pays. Alors les propriétaires nous amènent de juments de plus en plus pour les saillies à nos étalons. Réciproquement, pour notre propre élevage, on cherche constamment des courants de sang nouveaux, alors on emmène certaines juments à des étalons dans des régions comme Bishkek, la capitale, à 5 heures d'ici, ou de l'autre côté du lac, à Karakul, à 3 heures d'ici. Vous savez, les deux disciplines de course les plus importantes au Kirghizistan, ce sont les ambleurs, montés sur 11 km, et encore plus les courses de galop sur les longues distances, jusqu'à 20 ou 22 km, disputées par nos purs sangs, qui sont entraînés bien sûr spécifiquement pour l'exercice. En fait, je dois vous dire, le cheval, pour les Kirghizes, c'est tout dans la vie. C'est un loisir, c'est l'amour, le patrimoine. Enfin, c'est les joies de la vie quotidienne, quoi. Et je peux vous assurer que nos hommes et nos femmes qui vivent ici, pourtant sans aucun confort, hein, ne changeraient pour rien au monde. Moi, j'habite ici d'avril à octobre, dans ma petite cahute. Mais en fait, je vis dehors, avec mes chevaux. Et c'est comme ça que je suis heureux. Il ne peut rien avoir de mieux que de vivre avec des chevaux, en pleine nature. Moi, je suis responsable du groupe des purs sangs. Avec ces chevaux de compétition, qui n'arrêtent pas de bouger, il faut être très attentif. En fait, il ne faut jamais les lâcher des jumelles. Hein. De temps en temps, quand il faut les soigner, ou encore les manipuler, on les rassemble dans les parcs. Mais ils sont comme nous, hein. Ils sont très heureux de ressortir. Je fais ce métier depuis 30 ans, comme mon père et mon grand-père avant moi. Ouais, ce n'est pas toujours facile. Là, il fait beau, mais vous savez, dans les montagnes, ça retient les nuages. Hein. Il pleut beaucoup, il fait froid. En fait, c'est très rude, mais nous sommes tous des nomades. Et c'est comme ça qu'on voit la vie. Oui, l'hiver, je redescends dans les écuries à la ville. Mais moi, j'ai qu'une envie. Remonter en avril, dans ma nature, avec mes purs sangs.